Heureusement que le mec il m'a proposé de m'embaucher, hein. Ouais. Bon, allez. Allez, je suis pilote. Direction l'aéroport. Et tout de suite, une annonce en pilote d'avion. N'allez surtout pas survoler le Mont Gordo. Montagne maudite, risque de chute. Heureusement qu'il croisait ce mécano, parce que ce vieux tas de ferraille que j'avais avant. Voilà. Bon, allez. Et en plus, il pleut pour mon premier jour de boulot. Allez. Bon, on y va. Oh là là. Du coup, voyons voir la carte de l'aéroport. Ok. Merci. Alors maintenant, il faut retrouver mon avion. Je crois que je l'ai vu. Alors, il pleut, il y aura sûrement des turbulences. Non, mais le beau Boeing là-bas qui sont en train de construire, hein. Je me réjouis de pouvoir le piloter un jour. Pour l'instant, ça va, c'est des avions de luxe que je conduis. Il y en a un jour où je conduis. Tour de contrôle à Luxeur de Luxe. Vous avez l'autorisation de décoller, je répète, vous avez l'autorisation de décoller. Normalement les passagers sont montés. Tu vas sentir le maire avec sa femme. Alors on décolle. C'est parti. Alors où c'est qu'il veut y aller? Oh non, que dalle! Mesdames et messieurs, turbulence. Ah, on peut se brouiller, oh là là. Allez, monte. Il faut vivre.
à repasser. Mesdames et messieurs, je vous prie d'attacher vos ceintures. Comme je m'entraîne là, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que je vais avoir le temps? Bon, allez, je teste. Voilà, ils ont dû attacher leur ceinture hein, maintenant. On descend et on monte. On n'est pas perdu. On est juste derrière mon chien. Non. Allez, là je pense qu'il faut leur parler. Non, on est où sur la carte? Oh oh, je pense qu'il faut y aller là-bas. On a pris le contrôle, on a pris le contrôle. On a perdu le contrôle à nouveau. On est où? Sautez! Je saute. La mienne. Ils ont dû sauter il y a longtemps, je pense. Ils sont pas là au fond, sinon je les aurais entendus. Normalement, ils ont sauté. Je le savais qu'il fallait pas prendre la mer. Aujourd'hui, je le savais. Et ouais. Je sais même pas où on est. Oh.
J'ai fini de pisser. Pourquoi il y a un couteau ici? Les mecs. Il y a un couteau sur la plage. On doit que j'ai pissé. What if like smoking lettuce got too high, but no one knows? No one's tried it. Who cares? Il est quelle heure? Il est 21h. Okay. Les mecs, j'ai trouvé un couteau quand même. Je vais le jeter à la mer. Non, pas moi. Voilà les mecs, je suis là. J'ai voulu jeter le couteau à la mer, mais je suis tombée. Non, tu tomberas pas. Voilà. Les mecs, j'ai jeté le couteau. Alors, il s'est passé quoi pendant que j'étais pas là? Ok. Vous dites qu'il y avait un mec masqué qui est arrivé. I hear that new Cro-X is hot. Trippy. Ok. Et puis, autre chose? Ok, cet endroit il est hanté. Du coup, vous savez comment il s'appelle le mec masqué qui est arrivé? Il y a tué quelqu'un? Ok. Les mecs, à quelque chose. Pourquoi j'ai un sniper? Les mecs, il y a quelque chose au sommet de la montagne. Ça vient de crier.
Vous en foutez quoi. Ok. Sinon, cette maison là-bas. Yo, what do you do? I am just like in a total state of mind fuckedness at the universe right now, Agenda. Oh, mais c'est un fantôme. Et ça revient de prier. Ok. Du coup, c'est à 23h. Il y a un fantôme à 23h. Il est là. Minuit. Si c'était. Mais vous êtes au courant qu'il y a eu un fantôme. Et que là-bas, il y a une lumière. Vous dites que c'est la maison de Jason là-bas? Ok, celui est carrément flippant. Bon. Je vais dormir, moi. Les mecs, vous êtes où? Ouais, il y a du sang ici. Pourquoi? J'arrive dans une propriété bizarre. J'ai défoncé la porte. Il y a des citrouilles. Il y a David. Cette lampe vient de déconner. Je reçois mon pistolet et je rallume. Il semblerait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Car il y a de la lumière. Je monte au deuxième étage. Je grimpe sur le toit. Alors, il y a une tâche. Ok. Je vais commencer à s'éteindre. Il est 5h du mat. C'est
Je casse la lettre. La vie de vagabond. Tostas.